Salut à tous, j'espère sûrement bien m'en sortir pour une nouvelle vidéo. Donc, dans un nouveau concept que j'avais créé, pas que j'ai créé, je sais pas si je l'ai créé, mais bon, que j'ai vraiment, que j'avais pensé que je voulais vraiment faire un jour. Du coup, c'est une vidéo normalement qui va durer à peu près 30 minutes. Donc, c'est mon concept de vidéo, c'est faire des épisodes de en une vidéo, faire 10 minutes. De 30 minutes, faire 10 minutes de chaque let's play. Bon, par contre, là c'est chiant, j'arrive pas à toucher et ma vitesse est très lente. Parce que là, je peux inverser mes sens et en plus ma vitesse est extrêmement réduite. Bon, voilà, on a eu Ramolos. Voilà, c'est parti, 10 minutes de chaque let's play. Du coup, 10 minutes de Smash Ultimate, 10 minutes d'Exovic Chronicle 2. Et normalement, Let's Go Evoli aussi, qui sera 10 minutes. Vous pouvez maintenant faire des affaires avec Ramolos, mais je crois que c'est juste qu'il nous fait oublier qu'est-ce qu'on avait appris à nos esprits. Donc ici, Smash Endurance, que vous avez PV d'adversaire à 0, l'adversaire gagne la santé petit à petit. On va peut-être garder Linklink un peu, vu que il peut être bon pour les... il peut être très bon pour les combats d'endurance, vu que quand il met de la peinture sur l'adversaire, finalement, ça fait plus de dégâts. Ici, ah non, là, ça compte pas, il fait le picket fire, là, il me le spam. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça va donner, voilà, une vidéo de 10 minutes. Je crois qu'en même temps, c'est un nouvel épisode du XP Smash Ultimate, un nouveau épisode du XP Zombie Chronicle 2, un nouvel épisode du XP Let's Go Evoli. Voilà, spécial 2 ans. Voilà, vidéo spéciale 2 ans. Normalement, il devrait sortir un petit peu après la vidéo des 2 ans de la chaîne. La même journée, mais après. Voilà. Bon, du coup, on va passer par ici. Bon, Panthère Carossa. Bon, je vais changer mon perso. Parce que bon, je suis un petit peu... Même si Linklink, je commence à être bon avec, je préfère changer de perso. Allez, vu... Merde. Vu qu'il y a aussi du Xenoblade Chronicle 2, peut-être... Ah non, merde, j'ai pas cassé une Rex. Bon, pas grave. Dans ce cas, on va prendre... on va prendre Marthe. Parce que bon, ce serait chiant quand même de perdre du temps juste à section de perso. Je vais mettre en défense. Merde, je vais mettre en défense. Attends, je crois que j'avais même pas lu. Voilà, c'est juste l'adversaire le plus rapide. Voilà, depuis quand je le lis pas. Ça veut pas dire que la vidéo, que mon temps de jeu sur Smash Ultimate dans cette vidéo va juste durer 10 minutes que... faut que je me dépêche. C'est pas un speedrun. Hey toi, fils de pute. Hey, je peux pas. Hey bitch. Putain. Putain, ça fait chier, arrête pas de sauter. C'est que mes attaques. Sérieux, il était sur moi. Bon, Panthère Carosso. Quelle coïncidence, mais 3 XP, c'est juste des jeux sur Switch. What the fuck. Nina. Non, battez le combattant principal, l'adversaire privilégié la fuite, l'adversaire gagne la santé petit à petit. Donc, pour faire un palutena et un Ganondorf, faut juste tuer le palutena. Ok. Viens ici, palutena. Viens ici. Ah non, cette chien, elle va fuir. Non, reviens ici. Reviens ici. Putain, t'es pire que Pauline, toi. Ah ouais, je l'avais pas dit au début de la vidéo, j'ai battu Pauline. Et voilà. Putain, elle arrête pas de fuir. C'est pire que Pauline. Voilà. Merde, j'ai pas vu qu'est-ce qu'elle faisait. Bon, pas grave. Normalement, X Explosion c'est bon, mais une forme de croix. Ah, pas le temps de dire. Ok, non, Fox. Fox, pas besoin de changer. Et après, on prendra Fox. On prendra Fox pour le prochain combat. Faut que je check de temps en temps. Parce qu'à 10 minutes, faut que je m'expose et que je change de XP. J'essaie de m'arrêter au moins à 10 piles. Merde.
Encore, ça pourrait être chiant dans Xenoblade Chronicles 2 si jamais il y a une cinématique. Genre, il y aura juste des cinématiques. Ta Fox. Fox. Au début, je voulais faire 5 minutes, mais je me suis dit, bon, non, ben non, sinon, ce serait chiant. Voilà, là, j'aurais déjà terminé pour Smash Ultimate. Donc là, je me suis dit, allez, je vais pousser à 10 minutes. Ok, non, là, j'ai le bouton rouge d'appuyer. Du coup, je peux me rendre là. Ok. Ce que je propose, avant, je vais au moins aller au Château Bowser. J'ai au moins envie d'aller affronter notre boss. On va aller par là-bas. Et on continuera après pour pouvoir aller de l'autre côté. Allez, il est temps de courir. Ah merde, j'ai des trucs dans les activités, mais. Au pire, tant pis, je ferai ça hors caméra après l'épisode. Oh, Phalanx. Le coup de poing et le coup de coude de l'adversaire sont renforcés, et le coup de pied et les coups de genou de l'adversaire sont renforcés. La Smash Endurance et les PV de l'adversaire à 0. Ok, Fox, il est où? Fox est 64, donc il est ici. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça, il est plutôt scié. En orange. Allez. Et voilà, tué grâce à l'attaque super rapide. Ouais, franchement, Fox. Au début, je le maîtrise pas tant. Je maîtrisais pas tant que ça, mais finalement, je commence à bien maîtriser. Hein. J'adore Fox. Ok. Donc là, on s'approche au château. Boum boum. Adversaire bénéficie d'un super protection. Adversaire vous inflige des dégâts en vous fonçant dessus. Adversaire statue maxi. Lol. Je me rappelle bien une évolution, mais c'est de la merde. Si je me trompe pas, c'est un novice qui évolue juste en pro et c'est un esprit que j'ai jamais utilisé, que j'ai relâché. Ok, c'est suicidé. Voilà, GG Carapuce. Voilà, une évolution niveau 99. Ah non, c'est un pro, il évolue en vétéran. Je me suis trompé. Amiibo apprentissage, GG FPV. Ah, laisse-moi lire. Ok. Let's go pour le château Bowser. Forteresse de lave. Mecha Koopa. L'adversaire est équipé d'un bonbon dès le début du combat. Ok. Ok. Voilà. Je crois que c'est bon vu que je suis en métal, ça m'a pas vraiment fait si mal que ça. Putain, lâchez-moi! Ok. Il en reste juste deux. Allez. Là, on est à peu près à 9 minutes, donc je crois que j'ai peut-être le temps pour un dernier combat. Donc, on va faire ici. Donc, le seul niveau est en feu, il baisse et éjecte les combattants. L'adversaire est plus rapide. Ok. Attends, j'ai juste réduit. Ah non, j'ai lancé ça le brûlant. Ok. Allez! T'as une 9 minutes 20, genre un bâton! Au pire, c'est pas grave, j'ai juste à. T'as esquive aérienne. Et bah, toi comme un homme. Pas comme une tapette. Et voilà, finalement, j'ai réussi dans les temps. Voilà, bah du coup là c'était tout pour la partie Smash Bros Ultimate. Donc je vais mettre pause pour que je puisse mettre que j'ai oublié Chronicle 2.
Et voilà, on est arrivé dans Xavier Chronicle 2, donc voilà, Amalia de lancer Tom et prendre du repos, ok. Bon, je le sens en Mitra, je vais pas mettre en Pyra, je vais mettre en Pyra dans le prochain épisode, ok? De toute façon, là c'est juste un épisode de 10 minutes, là je suis même pas sûr qu'on va pouvoir faire des combats ou juste continuer en jeu. Vous devez être très fatigué après votre audience avec le prêteur Amalthus. Nous avons mis des chambres à votre disposition si jamais vous souhaitez vous reposer. Senator Robert paid a visit to the Praetorium last night, off the record. Did you know that? No. I haven't heard anything from His Majesty. Why now, I wonder? I can't imagine he was just paying his respects. Do you think it's something to do with the excavation? Temperantia? The issue His Majesty mentioned. If that is the case, must be making covert deals with the Praetorium. Crush that man. C'est un truc d'un coup, ouais, genre je parle même pas. Ok. La salle des audiences. Ah, c'est l'OK à Mathieu, ok. Alors pour l'instant, on n'a rien fait du tout, et là, quand on regarde, là, 15 minutes. Voilà.
5 minutes des 10 minutes accordées pour ce jeu déjà passé. Lol. Ah, y'a Ace derrière qui est comme toute sérieuse, genre. Ah, elle n'a même pas Zeke et on a plus Morek. Ok. De toute façon, c'est ces trois-là qu'on utilise là-dessus. Rexinia et... C'est quoi déjà les lames que j'ai données? Je me rappelle même plus. Kimitra, Val, Zenobia, Adenin, Ramarche, Korra. Ok. Ouais, c'est lui, je me rappelle même plus des lames que j'utilisais. Ouais, il y a juste 3 minutes. Et tu sais, oublie Chronicle d'Off quand on passera du Pokémon Let's Go. Tu veux, Mike? Ah, la chambre! Ah merde! Moi, je me dirigeais à l'entrée. Hey, tu es où? Les autres dessus. Ouais, ça va, on avait cassé un truc d'eau. Chaque ouvre la porte. Mais l'Empire n'a jamais vraiment voulu une guerre,
Bon, 20 minutes, mais la cinématique est finie. J'espère qu'elle va finir un jour. Bon, au pire, si jamais ça sera à 25 minutes, au pire, on pourrait laisser tomber les squeeze bullies. Au pire, ça me dérange pas trop. De toute façon, dès que ces deux expériences sont finies, il y aura juste le squeeze bully, peut-être un Nuzlocke et moins de plus. Bon, mais tout qui met plus de lumière là. Comment on appelle un autre opérateur? Si un opérateur est de Richel, un vaisseau de l'armée indonienne devrait être à Maroport. Alors, avant juste d'aller pour monter à bord du temps de guerre, allez, il n'y a pas de temps à perdre. Enfin, finalement, j'ai peut-être le temps un petit peu pour le Pokémon, pour les minutes qui restent. C'est parti. Voilà, le reste. Voilà, en attendant que ces 30 minutes de vidéo, on va faire du Let's Go Evoli. C'est parti. Delexil. J'ai même pas chez où qu'on passe en seulement une minute. Et je te connais tellement en fait du Morphinite. Qu'est-ce que tu fais ici? Le bien chaud chaud, c'est. Ah, c'est bah, t'arrives un peu tard. On a déjà donné au boss. Laisse-moi te dire une bonne chose. J'aimerais t'arriver. Jamais tu n'arriveras jusqu'au boss. Comment as-tu osé nous humilier au manche, Sélénite? Cette fois, tu vas prendre cher. Bah, écoutez, on va les battre. Ah bah, qu'est-ce que c'est nouveau? Ah putain, j'ai évolué. Allez, Fenard et Nidoking. J'ai tunnel, donc on va faire tunnel sur le Arbok. Et l'autre va faire un flamme sur ce module. En plus, c'est brûlé, ça c'est cool. Oh, ce qui paralyse. Fenard, ok. Ok. Oh merde. T'es sérieux? Il y a juste un PV. Ouais. Lui c'est bon, il va mourir du poids de la brûlure lui. Qu'ils soient pas paralysés là. Et coup de boule. Ah maintenant il est paralysé.
Ah mais non, Fenard, c'est de ta faute que tu meurs, ok? C'est pas de ma faute, c'est ta faute. Ta petite bitch. Et sérieux, pourquoi il est paralysé à ce moment-là, juste là? Putain. Oh ça va, pas la peine de faire t'entraîneur juste parce que ton équipe est un petit peu balèze. Ouais d'abord tu vas voir, on va te... Ouais. Tu manquais ta invitation. Ok, eu peur d'Evoli. Ok. Vu que j'ai pas envie de retourner au centre Pokémon, peut-être mettre Empiflor en premier. Arthroscopie, nous en avons enfin la preuve formelle. La cible dispose bel et bien de la technologie nécessaire pour nous permettre d'atteindre notre objectif. La Tyranquette triomphera. Mais je suis pour détecter les êtres invisibles. On dirait la description d'un vulgaire jouet, et pourtant. Soit. Amos, poursuivez la filtration de Sylph. À vos ordres. Quoi? Mais que fait un enfant ici? Tatoué que t'es sans piper. Mot, voilà qui n'est guère honorable. Je suis Amos, l'admin de la Team Rocket, et je n'ai aucun pitié, même pour les enfants. Ok. Je me demandais comment ça se bouchait, putain. C'est mon gogo. Ok. Mais j'aimerais putain les mauvais Pokémon contre moi, sérieux. Du coup, je vais envoyer Nidoking, King. C'est lui le meilleur pour affronter du poison. Et vu qu'ils n'ont pas l'évitation, vu que Sumangogo n'a pas l'évitation en jeu, bah du coup, vu que les talents n'existent pas, du coup, tu gagnes, ça marche. Voilà. Bah, bien sûr, ça tue pas. C'est pas bravo. Ok. Du coup, il envoie qui en. De Saracto. Bah, on va envoyer Evoli. Hein. Hey, j'ai dit, je voulais envoyer Evoli. Je... Mais j'ai appuyé. D'accord, j'ai appuyé sur le bouton. J'ai pas fait aller choisir droite. Evo Dynamo. Ok. Ben Giovanni, pardonnez-moi, j'ai perdu face à un enfant. Ok, du coup là, on va devoir l'affronter, mais voilà, j'aurai pas le temps pour l'affronter dans la vidéo, donc. De toute façon, on est déjà 29 minutes, voilà, en une minute, je peux pas le faire, donc ce que je propose. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, et on va passer. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce bleu, commentaire, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous si c'est pas fait, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et si vous voulez que je refais ça un jour, bah, dites-le en commentaire. Et c'était absolument, et bye.